Hey, salut là-dedans, c'est moi Eric. Regardez-moi ce que j'ai trouvé récemment hier soir à Donjon de Val d'Or. Mais c'était pas mal durant le crépuscule que j'ai trouvé ça. Regardez ça, non? Vous voyez ça? Un ordinateur Toshiba. J'ai trouvé ça récemment à Donjon de Val d'Or. La batterie est bonne dessus. Il n'y a même pas aucune graphine, aucune trace d'usure. Il n'y a rien, même pas d'usure des lettres, rien. Puis au-dessus, rien, quasiment rien, pas de graphine, rien. Oui, regardez. J'ai pas aimé été graphiné. C'est même pas utilisé, ben. Savez-vous pourquoi? J'ai essayé de rentrer le machin ici. Voyons, je vais mettre là. La clé de. L'atelier du produit, mais il ne veut même pas le reconnaître. Là, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Puis, ça reste de même. Donc, ça, non. Il est vraiment nu, en disant. L'écran n'est pas brisé. Puis, il fonctionne. Attends, il faut que j'enlève mon adaptateur parce que sinon, il va chauffer. Regardez ça. Tapez votre thé de produit Windows. C'est ça ce que j'ai fait. Mais il veut rien savoir. Cette clé de produit n'est pas valide, ce qu'il dit après. Fait que je me retrouve avec un ordinateur qui fait ça. Ah, c'est vraiment de quoi. Hein? Puis j'ai essayé de l'activer plusieurs fois, mais il n'y a rien à faire. La clé de produit n'est même pas valide. Fait que je me demande bien qui a pu jeter ça. C'est un Windows Vista. Regardez, ça va être là. Vous voyez? Windows Vista. Même pas usé, même pas la moindrement usé. Incroyable, le monde y jette des ordinateurs qui. Même pas brisé. Fait que tout ce qui me resterait, c'est qu'à le faire entrer. Fonctionnera à nouveau. Mais l'adaptateur que j'utilise, c'est celui-là. C'est mon adaptateur d'ordinateur habituel, celui-là. Mais la batterie, il charge bien. Fait qu'on va réessayer de rentrer la clé du produit à nouveau. Fait que, on va vous revenir là-dessus. Salut!